L'un des migrants répété qui est venu en France pour faire des études. Du coup, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on peut aller à l'école. Salut, ta voix. Moi, c'est Angelina. Moi, c'est Lucie. Nous sommes des 4e du collège Jean Moulin de Flins-les-Raches. Il y a deux migrants qui sont venus et on leur a posé des questions à eux et aux éducateurs. Ils nous ont expliqué leur trajet, leur arrivée, comment ils se sont débrouillés, s'ils étaient seuls ou accompagnés et la cause de leur arrivée en France. Pour réaliser ces projets, on a eu une collaboration avec La Voix du Nord. On a écrit un article sur les migrants avec la journaliste qui est venue au collège. Il va être publié. Et c'est un peu choquant de voir des personnes devant nous parce que on entend sur internet et tout, mais devant nous, c'est émouvant. Ça touche parce qu'ils ont eu des moments difficiles et sont loin de leur famille. L'un des migrants répétait beaucoup qu'il venait en France pour venir travailler, faire des études également. Du coup, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on peut aller à l'école pour ensuite travailler, comparé à la Guinée qui doivent payer, ou soit les femmes doivent pas aller à l'école. Moi, avant, je trouvais ça normal. Et maintenant, avec les migrants qui sont venus et qui nous ont expliqué qu'eux, ils ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'ils devaient payer et ils n'avaient pas les moyens de payer, du coup, je me suis dit que nous, on avait de la chance comparé à eux.